royaume. C'est déjà le cas, il y a l'État islamiste contre les chrétiens. On les croira eux et moi, on ne me croira pas. Il faut se méfier des chétans. Ensuite, Frédéric entend à la télé la chanson de Vita. Donnez-moi un peu de rêve, j'ai pas le temps. Poséidon, 5 avril 2018. Les témoins de Jéhovah sonnant à ma porte. Est-ce qu'on peut vous parler de Dieu? Frédéric dit, vous êtes des témoins, vous avez des preuves, car pour être témoin, il faut être deux. Une seule personne n'est pas recevable devant la cour. Frédéric leur dit, on m'a dit que c'était une secte, mais moi, pas d'amalgame. J'ai grandi en foyer, c'est comme une secte. Je leur dis que le CMP veut me faire une piqûre à chaque fois et ça touche le sang, ça peut saigner. Et je dis le sang, c'est un péché. Ils me répondant, tu es sur tutelle, c'est pas toi qui choisis. Je leur dis, si je veux, je donne pas mon sang. Ils me disant, tu fais comme tu veux. Frédéric pense, pour me rassurer, ils disant ce que je veux entendre. Je ressens une hypocrisie. Je leur dis, je suis schizophrène, mais le problème c'est que l'on me dit schizophrène avant d'avoir des hallucinations. Quand je suis allé utiliser mon portable pour la Wi-Fi, un mec à côté du camion à Pisa en parlant de moi a dit « Voilà le clown » et quand je suis sorti de l'hôpital Grom Vivare, des jeunes me disaient en parlant de moi « Voilà la tarlouse » et le mec avec son chien disait « Faut faire attention, il est fêlé » Marie répond de manière ironique, des gens formidables. Frédéric sort d'Intermarché, une dame des témoins de Jéhovah me donne un papier. Frédéric, ils sont déjà venus chez moi. Elle me dit, c'est jamais les mêmes. Frédéric pense, c'est pour ça qu'il y a des guerres de religion. La Bible, c'est pas la même à chaque fois. La dame dit, selon vous, qui dirige le monde? Frédéric dit, un homme qui a pas de libre arbitre, c'est pour ça qu'il y a le mal sur la terre. La dame dit, il doit pas l'aimer Dieu pour faire autant de mal. Frédéric pense, qu'est-ce que j'ai dit? Il a pas de libre arbitre et je l'aime Dieu car c'est moi qui dirige le monde. Si je suis positif, le monde est positif, un monde meilleur. Si je suis négatif, le monde est négatif et dit et il risque la fin du monde et que les gens me tournent dans le dos. Je suis un équilibre. Le diable est premier, car je suis négatif et je prophétise le futur. Un jour, je serai la lumière et j'aurai de la chance dans la vie, car j'ai fait une prière miséricordieuse à Dieu et j'ai demandé de fusionner avec Dieu. Moi, j'étais mort en 2013, gros de péché. J'ai pris de remords, je me suis suicidé pour mourir pour mes péchés. Il s'est produit quelque chose que les prophètes n'ont pas prévu.
je me suis condamné à la sagesse éternelle, ça m'a purifié et on ne meurt pas vraiment. Le passé, présent, futur peuvent se rencontrer dans le même présent. Je suis juste passé d'un présent à un autre. Ça a duré un tiers de seconde. Je l'ai pas vu passer, mais même comme mais des ampoules, toutes les religions sont vraies. C'est une croyant, on perd nos proches. C'est une illusion, c'est pour ça qu'il y en a qui dit qu'on a des hallucinations et d'autres qui sont croyants, on perd nos proches dans notre monde, eux nous perdant dans leur monde, mais peut-être pour ça que je pleure pas, moi je suis pas avec eux, mais eux sont avec moi. Ils ne sont pas morts, ils sont juste dans un autre présent. Chapitre 7, l'islam, la véritable Bible des orthodoxes dans un monde paradoxal. Ce qui crée la paranoïaque, c'est le jugement des gens, mais on n'est pas né paranoïaque. C'est le monde qui est paradoxal. On a tous une parcelle de lumière et de ténèbres, et la vie paradoxale est une parcelle de Dieu, c'est une parcelle de la vie. Lucifer pour détruire, Jésus pour créer, Allah pour créer, Satan pour détruire. Comme l'eau peut nourrir une personne assoiffée ou le noyer, quand j'étais petit, j'étais le Saint-Esprit, je me suis rendu mauvais, je désobéissais aux adultes, car à 7 ans, j'avais déjà 18 ans pour moi, et aujourd'hui, 33 ans, je me sens comme si j'avais 7 ans, donc 18 ans. J'ai la jeunesse éternelle. Je n'aime pas l'injustice. Pourquoi les adultes ont plus de droits que les enfants, alors que moi j'ai grandi en étant enfant, sans mes parents. Ma mère et mon père allaient dans un cabaret voir les filles nues et la dernière fois que j'y suis allé, je suis resté dans la voiture comme pour aller à Lidl. Je suis resté dans la voiture, j'ai pris mon pied dans la voiture tout seul. Eux vont chez des amis et moi on me laisse tout seul devant la télé. Si je suis assez grand pour rester tout seul, je suis assez grand pour avoir un chez moi, mais je pense que pensent mes parents, nous on travaille pour avoir un chez soi. À 7 ans, les enfants n'ont pas le droit de travailler. Frédéric pense, oui, mais quand mon père vivait avec mon ex-belle-mère, il avait un appartement où il me laisse tout seul, donc au final, j'aurais pu avoir la même chose. Les parents font un enfant, pour les faire, ils sont présents, pour les élever, il y aura des absents. Un père, c'est celui qui nourrit ses enfants, c'est parce que les liens du sang, un père qui s'occupe pas de ses enfants, c'est pas un père. Si j'ai commis tous les péchés et que j'ai pété les plombs, c'est que je n'aime pas l'injustice.
Pourquoi dans les médias j'entends dire à propos de la religion catholique, la religion n'a pas à se mêler des affaires de l'État, alors que pour établir l'islam en France, là on ferme sa gueule. Après, ne venez pas dire que l'on est raciste. Si nous vous venez faire du favoritisme ou si vous êtes favorisé, personne n'est Dieu le Père, même l'auteur du livre, les incohérences, même Dieu aurait des comptes à rendre s'il se montrerait injuste. Il y a des dieux, il faudrait des petits Lucifer. Si je suis handicapé, c'est comme me cède tous mes caprices. En France, c'est le seul pays qui a le plus de handicap quand on prend le plus de médicaments et qu'il y a la sécurité sociale. D'autres pays n'ont pas. Aphrodite, 20 Poséidon, 2018, 6h09. Frédéric dit, si tout n'était pas pris en charge, on n'aurait pas obligation de soins, donc on abuserait pas des handicapés. L'argent appelle l'argent. La plupart des médecins sont parrainés par les laboratoires pharmaceutiques. Marie dit, on utilise les traitements pour aider les personnes en souffrance. Frédéric pense, ironie. Pourquoi ironie? Se demande Marielle. Frédéric dit, je laisse tomber. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Joseph Étienne Montbelli dit à Frédéric, pourquoi tu ne travailles pas pour payer notre retraite? Frédéric pense, en travaillant pour payer des impôts et ta retraite, moi je pourrais pas acheter de DVD, des livres et du Red Bull tous les jours. Ça me coupera un bras. Moi on me prendra une tablette de chocolat et ocre et aux riches la moitié de la tablette. On travaille pour vivre, pas pour survivre. Et quand on a deux maisons, on en vend une. Et quand on est à la retraite, on vend une voiture. Et ma mère elle a voulu que mon père vende la maison à Grignan pour acheter la moto à Jean-Claude, mon beau-père. Et ma mère a dit que ma mère a travaillé pour pouvoir acheter un appartement. Je réponds, ma grand-mère aussi a travaillé. Elle est vivante. Donc, s'arrêtez-tu, Anne-Marie Chabot récupère l'appartement, la maison. Voilà.